Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Vraiment, ce sont des puissantes révélations. Cette jeune femme que voit l'écran nous dit que elle a eu un rêve. Mais qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à ça, le retour de Jésus-Christ? Ou à ça, à l'époque de Noé? Bon, nous allons l'écouter. Vous allez écouter ce qu'elle a à nous dire ici. Vous risquez d'être surpris par ce qu'elle a vu dans son rêve. Écoutons ça! Je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai fait il y a quelque temps. J'ai fait un rêve dans lequel en fait j'étais au ciel. Et je me tenais avec Jésus. Nous n'étions pas en train de parler de quelque chose, nous étions juste en train de nous faire face l'un l'autre. Et le trône de Dieu était juste derrière Jésus. C'était un grand trône. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ou voir les détails ou autre. Je savais juste que c'était le trône de Dieu et je savais que je parlais à Jésus. Nous ne parlions même pas, mais je savais juste qui il était. Et Jésus s'est retourné et il a regardé en arrière, vers le trône de Dieu. Et j'ai aussi regardé et j'ai remarqué que Dieu était juste très, très en colère. Il était si grand et fort et sa colère était très terrifiante. C'est quelque chose auquel vous ne savez même pas comment y répondre. C'est juste très effrayant, sa colère. Bref, on aurait dit qu'il était prêt à la déverser. Il était tellement en colère contre le monde, tellement en colère de la façon dont les gens vivaient. Il était en colère contre les églises. Comment les églises l'ont en fait oublier? Elles ont oublié la présence de Dieu. Elles ont aussi oublié de chercher Dieu. Elles ont perdu la crainte de Dieu. Et il était tellement en colère, tellement en colère. Puis Jésus m'a regardé, et il m'a dit qu'il allait revenir bientôt, qu'il allait me renvoyer, sur terre, à tout moment. Il a dit qu'il en avait assez, qu'il est tellement en colère contre le monde. Il a dit qu'il allait m'y envoyer à tout moment. Et Jésus était dans une telle gravité. Et vraiment, il m'a dit, encore et encore, la même chose. Comme s'il voulait vraiment mettre l'accent sur la réalité de ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il pourrait revenir à n'importe quel moment. Qu'il allait m'envoyer à tout moment. Il a dit, je veux que tu sois prête. Je veux que ta famille soit prête. Et je veux que tu dises à tout le monde que je reviens. Dis-leur que je reviens. Il a dit, ils ne se rendent pas compte que je reviens bientôt. Et puis quand Jésus m'a dit cela, je me suis dit, pourquoi me le dis-tu? À qui vais-je dire ces choses? Et il n'arrêtait pas de dire, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Et puis je me suis réveillée. C'était la fin du rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai juste ressenti ce fardeau dans mon cœur. J'étais effrayée, j'étais terrifiée quand j'ai vu Dieu. Quand j'ai vu juste sa colère et sa frustration envers le monde. Je sais que le monde va vraiment mal en ce moment. Je sais que les gens se détournent de Dieu. Il se passe tellement de choses. Et je suis sûre que Dieu est tellement en colère. Et cela me fait peur pour l'âme des gens qui ne le connaissent pas. Et aussi les personnes qui se considèrent chrétiennes, mais ne sont vraiment pas prêtes pour son retour, qui n'ont vraiment pas leur vie en ordre. Et donc je partage cela avec vous, pour que vous sachiez que ce rêve que j'ai fait, je crois très fort que c'était réel, que c'est quelque chose, que c'est un avertissement. Que Dieu veut que nous sachions que cela ne tardera pas avant que Jésus revienne. Et nous devons être prêts. En tant que chrétiens, nous devons chercher Dieu. Chercher si nous avons des péchés dans notre vie pour nous en détourner.
Nous devons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous devons dire aux autres qu'il revient, que nous prions pour les âmes des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour lui. Et vous savez, je pense à Noé. Comment le monde était tellement pécheur et Dieu l'a anéanti. Je pense à Sodome et Gomorre qui ont été anéantis. Dieu ne peut continuer à tolérer tant de péchés avant d'en avoir assez. Et je crois que ça ne va pas tarder avant que Jésus revienne en cette fin des temps. Et il emmènera avec lui les personnes qui sont prêtes pour lui, qui le connaissent, qui marchent avec lui. Et donc je voulais juste partager cela avec vous. Et je prie pour que vous preniez cela à cœur et que vous prépariez votre propre vie, votre propre cœur pour cela, pour la venue de Jésus. Nous voulons tellement profiter de ce monde pendant que nous sommes ici. Et il est tellement facile de tomber dans les mœurs du monde, d'être très occupé, d'essayer d'accomplir différentes choses, d'essayer de bien paraître dans le monde sans perspective. Mais quand Jésus reviendra, aucune de ces choses n'aura d'importance. Cela n'aura plus d'importance. Nous devons être constamment prêts et constamment en communion avec Dieu. Nous devons mettre nos vies en ordre parce qu'il ne revient pas pour prendre tout le monde. Il y a des gens qui n'iront pas. Je ne veux pas que ce soit moi. Je ne veux pas que ce soit vous. Je ne le veux pas à mon pire ennemi. Je ne voudrais qu'aucune personne soit séparée de Dieu parce que c'est la pire des punitions que l'on puisse jamais subir. Alors merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, j'ai écouté ça et j'ai dit, la chose est simple, c'est très simple, on ne peut pas dire que c'est faux. Les choses sont là, les choses sont claires. Et le monde va tout droit en enfer. Et moi j'ai vu, un jour que je m'endormais dans mon sommeil, j'ai vu des gens aller des gens marcher sur un chemin qui menait vers le feu. Et moi, je marchais et arrivé au niveau, au carrefour, j'ai vu que j'avais deux chemins. Mais les gens empruntaient ce mauvais chemin-là et ils allaient tout droit dans le feu. J'ai dit, mais attends, que se passe-t-il ici? Et j'essayais d'avertir les gens que le chemin qu'ils empruntent là, là où ça va les mener là, c'est dans le feu. Ils seront tous dans le feu. Mais peu de gens écoutaient. Du coup, moi j'étais là. Il fallait que je choisisse mon chemin. J'étais seul. J'ai décidé donc d'emprunter ce chemin-là, puisque le temps était déjà venu pour moi d'emprunter le bon chemin. Et j'ai emprunté le bon chemin. C'est-à-dire le chemin où il n'y a pas le feu au bout là. J'ai emprunté ce chemin et je suis parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes sur la terre ici à qui vous parlez de Dieu. Matin, midi, soir, ils pensent que c'est de la blague. Vous leur dites, écoutez, Jésus revient. Écoutez, soyez juste bon. Même si Jésus ne revient pas, vous pouvez mourir. Soyez bon et gentil. Au moins, vous aurez moins de problèmes. Vous n'aurez pas de problèmes avec la police. Vous n'irez pas en prison si vous êtes gentil et que vous ne tuez personne. Ces gens disent non, vous êtes trop vieux, vous préparez à recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ ne revient pas depuis là, vous êtes où? Vous voyez, mais au moins mes frères et sœurs, nous pouvons voir qu'il y a le bien et le mal. Nous devons choisir notre chemin. C'est comme Noé qui parlait à ces gens-là. Noé parlait à ces gars-là, disait, écoutez, venez, abandonnez vos mauvaises actions, abandonnez vos mauvais cœurs, les gens n'écoutaient pas. Les gens ne coûtaient pas. Hey, même les animaux sont mieux que nous aujourd'hui. Regardez au temps de Noé. Les animaux là. Dieu les a tous dit, allez dans l'arche qui est là, allez dans l'arche qui est ici. Dieu n'a juste que parlé à eux, ils ont obéi seulement. Regardez, même aujourd'hui quand on a un chien, on dit des choses au chien, le chien ne trahit pas. J'ai l'impression que les chiens sont devenus mieux que les êtres humains.
Si je dis certaines personnes préfèrent avoir confiance à leur chien que à un être humain, je vous assure, ce n'est pas de la blague. Parce que l'homme est devenu autre chose. Le diable a travaillé. Le diable a travaillé sa tête. Et Dieu revient. Jésus revient bientôt. Dieu revient. Vraiment, Jésus m'a jamais dit en face qu'il revenait bientôt. Mais moi, je sais que il faut être bon dans la vie. Quand tu as un bon cœur, c'est mieux qu'avoir un mauvais cœur. Il y a des gens qui font du mal à beaucoup d'hommes sur la terre. Pour la richesse de ce monde, les gens sont prêts à tuer. Pour la richesse de ce monde, les gens sont prêts à tout. Mais la mort va les surprendre un bon matin. La mort les a supprimés beaucoup qui sont déjà partis. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire à Dieu? D'abord, ils n'ont jamais cru en lui. Ils n'ont jamais cru en lui. Qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il y a? Que va-t-il se passer quand vous allez vous rendre compte que Jésus est réel? Que Dieu existe, que ce n'était pas de la blague, qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce serait déjà trop tard. Sur la terre, si nous sommes en examen, celui qui réussit à l'examen et qui meurt, il va avoir le résultat après la mort. Quel serait votre résultat? Regardez toutes ces personnes sont pas, regardez toutes ces personnes sont pas ici. En train de chercher Dieu, en train de contempler Dieu, s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église. Tout ce qui se passe dans l'église. Hey! Aujourd'hui, on regarde la vie, on regarde les soucis de la vie. Le diable a rendu les choses tellement difficiles que les gens sont concentrés à travailler, ils sont concentrés à chercher l'argent. Ils préfèrent faire de grands sacrifices pour l'argent que de faire des sacrifices pour Dieu. Parce qu'ils ont des factures à payer, ils ont des choses à acheter. Je marchais tout à l'heure et je regardais la terre. Il dit, mais regardez la terre, pour pouvoir construire une maison, il faut acheter la terre. Hey! Quand Dieu a créé la terre, est-ce qu'il a vendu ça à quelqu'un? Pourquoi vous voulez nous obliger à acheter la terre, à acheter des terres? Pourquoi? Pourquoi? Il dit, Dieu, donne-moi ma part ici. Donne-moi ma part de terre ici. Donne-moi ma part de terre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu as créé les étendues d'eau. Tu as dit que c'est pour nous. Regarde, les gens sont en train de bloquer. Ils sont en train de se battre. De se battre pour avoir toutes les choses que toi-même tu as créées. Et tu nous as donné gratuitement. Ils prennent les richesses de ce monde, ils se partagent en 10 personnes, puis tout le reste souffre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Ça veut que la vie est devenue compliquée, la vie est devenue difficile, les gens sont concentrés dans les soucis. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les soucis de ce monde ne vous amènent pas à abandonner Dieu. Ne vous amènent pas à abandonner Dieu. Que les soucis de ce monde ne vous amènent pas à dévier. Restez concentrés. Dieu va nous aider. Dieu est avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Partagez cette vidéo à vos amis. Et c'est la première vidéo. Waouh.